Bien sûr, ça me plaît. Ah merde, j'ai pris ma chaussette de... Je la mets dans ma poche. De protection de canne. De toute façon, il faut qu'on reste à peu près à côté parce que... Oui, on va... On veut se filmer les poissons. On pêche l'un à côté de l'autre. Ouais. Oh mec, le nombre de moustiques qu'il y a. Je t'avais dit. Oui. J'ai failli me faire très mal, là. Ah là, t'as failli te péter bien la gueule, ouais. Mec, je te jure, les... J'hallucine le nombre de moustiques, quoi. Oh oui. Ah ouais, non, c'est une patinoire totale. Ils sont glissants comme jamais. Mec, j'ai même pas besoin de marcher. Je me pousse et je glisse jusqu'en bas. Tu vois, c'est bien, c'est en face de la rivière où c'est d'herbier. Tu vois, là, c'est pas du tout le même biotope. Ouais. Ah non, là, il n'y a pas d'herbier ici, c'est que des cailloux. Les brochettes, tu vois, sont pas du tout la même couleur. Pas de poisson actif à première vue. Ici, là, t'as fait l'angle du pont là-bas, enfin, de la structure de béton. Non, pas encore. Allez, on va sur la zone chalot. C'est un endroit hostile ici. Hein. Ouais. Cailloux glissants, moustiques partout. Ah mais c'est un truc de fou cet endroit, vraiment. Pêcher le brochet comme ça. Ah mais pêcher le brochet comme ça, c'est juste dingue mec. Alors là, c'est quoi ce spot de fou là? Dépaysement total là. Regardez ça les gars, on pêche le brochet. C'est la pêche du brochet mais en zone... Incroyable mec. La zone quoi. Ouais. Bon ben dans le courant alors. J'ai du mal à savoir combien il y a de fond là. Oh poisson, poisson, poisson. Premier poisson à la tombée. Wouh. Lance derrière, j'ai l'impression qu'il se fait chasser. Non. Il était en chasse. Il était en chasse là, c'est ton. Oh, ah ouais, il y en a d'autres je crois. J'ai cru qu'il s'est fait chasser. Avec le courant, j'arrive pas à le tenir avec le courant. Ah, il part. J'arrive pas à le tenir. Avec le courant comme ça, j'arrive pas à le tenir. Et il est beau, hein. Il y a un beau poisson, là. Wouh. Ah oui. Wouh. T'as le spot de dingue, mec. On pêche le brochet comme la truite, ici, en plein courant, truc de malade, quoi. Truc de malade, mec. Et comment il te l'a coffré, quoi. Ah, mais la coffré, mais total. Ah oui, là, il y a du coffrage en règle. Il y a du coffrage en règle. Bon, Lan, t'es content d'y spot ou quoi? Oh, mais mec, c'est quoi ce spot de malade? Du brochet comme si on pêchait la truite, c'est juste improbable. Dans le courant. Mais cette attaque. Et t'as vu ça? J'ai touché l'eau et boum, je me suis fait coffrer. Et le leurre, il était déjà presque dans l'estomac. Ici, c'est pas pour rigoler. Hein. Ici, c'est pas territorial, c'est pour bouffer. Surtout si on a plusieurs. Magnifique brochet. Dans tous les cas, déjà, on s'est pas levé pour rien. Ah non, là, on s'est levé tout ce matin. Boum. Regardez-moi les couleurs de ce brochet. Le brochet de rivière, quoi. T'imagines, tu viens pêcher la truite ici, tu te dis, je vais attraper de la fario. Et tu lances et tu te fais coffrer par ce truc-là. Ah, mais, oh. Voilà. Ah, j'utilise un leurre vraiment spécial. Hein. Regardez la paddle à l'arrière, c'est pas un shad en fait, ça s'appelle un treble tail. C'est une grosse paddle conique et ça marche super en fait. Je pense qu'on peut passer. J'aimerais bien aller en fait au bout là-bas, mais le truc c'est que t'as tellement de chances de te péter la gueule. Et mine de rien, t'as des petits trous où t'as de l'eau jusqu'au genou. Hein. Yes.
C'est bon. Ouais. Mec, attends, j'ai pas mon téléphone là. Parce que là, ça m'inquiète là. Là, ça m'inquiète là. Mec, j'ai plus mon téléphone là. Mon téléphone est juste là sous mes yeux, mais malheureusement je ne le vois pas, tellement je suis inquiet d'avoir perdu mon téléphone dans un tel environnement. Je suis en train de m'imaginer chercher avec Fishtick pendant des heures, et j'avoue que pour moi c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais ne dit-on pas que l'impossible n'existe pas? Et franchement, un Français et un Belge, ça ne peut faire que des exploits les gars. Mon téléphone est tombé gros. Oh putain. Bon là on s'amusait bien mais on rigole beaucoup moins parce que le loup escadou avait sa poche ouverte et en crapahutant dans les cailloux, il vient de remarquer que son téléphone n'est plus dans sa poche. Du coup, on va essayer de retrouver ça, mais bonne chance pour retrouver un téléphone dans des creux de cailloux. De plus, ici, il n'y a pas de réseau, donc on peut même pas se téléphoner l'un l'autre pour pouvoir le faire sonner et le retrouver plus facilement. Donc on va devoir chercher et à l'œil espérer trouver. Regardez, je suis tout jaune. Je me suis pris une pierre. C'est le parcours du combattant ici, mais ça valait vraiment le coup de venir. J'ai sorti un brochet, un beau brochet. Loup Escadou a sorti un brochet. J'en ai décroché un, mais prendre des brochets dans des cailloux comme ça en sortie de courant, c'est juste impressionnant. J'aurais jamais cru qu'il y avait des brochets là-dedans. Et pourtant, je serais bien venu pêcher la truite ici, mais c'est. Y a pas de truite là, y a que des brocs. Wouh! Le loup Escadou a retrouvé son téléphone! Ah, mais c'est improbable de l'avoir retrouvé là. Hein. Tu sais pourquoi je le retrouve? Il est comme ça. Et il brille. Ben regarde. Ah oui! La coque abîmée, imagine il est comme ça. Ah là tu le retrouves pas. Il était dans 40 cm d'eau. Posé sur le caillou comme ça. À 30 cm, 40 cm sous l'eau. Bon écoute mec. Eh ça fait une heure qu'on cherche. De toute façon il est temps qu'on y aille. Ouais là on bouge. C'est pas grave, on reviendra un autre matin. On a encore tout ça à faire, t'imagines? Bon ben au final on a de la chance avec le loup Escadou. On a retrouvé son téléphone. Bon là on rentre au bercail, parce qu'on faisait juste une petite session du matin qui s'est forcément écourtée pour la recherche du téléphone, deux poissons, un décroché, donc ça va vraiment la peine, une super belle zone. On va revenir pêcher le reste de la zone demain matin. Voilà, comme ça c'est fait. Très prometteur. Jour numéro 2. On est de retour au barrage. Et est-ce que t'as bien fermé tes poches? Cette fois j'ai fermé mes poches les gars, j'espère que ça sera une meilleure journée en termes de malchance. En tout cas on est accueilli par le soleil là. Ouais, on est accueilli par le soleil, c'est juste magnifique. On va repêcher dans la zone plein courant, on sait jamais. Il y avait deux brochets hier qui s'y tenaient, j'en ai sorti un. L'autre je l'ai juste piqué, il s'est décroché après, je sais pas moi, une seconde de combat. Donc clairement, on devrait pouvoir toucher. Surtout que Alban disait que lorsqu'ils sont postés ici, ils sont vraiment genre à la queue leu-leu parce que c'est le supermarché quoi. Ils viennent ici pour manger. Donc s'ils sont là, il nous a dit que ça sert à rien de rester. S'ils sont là, voilà. C'est pour manger. C'est 10 minutes de pêche. Voilà. On pêche en 10 minutes et les poissons sont de la partie ou bien ils sont pas là du tout. Et on a le deuxième spot. On va voir et après on va aller pêcher d'un autre côté où c'est plus profond et plus creux. Et là, on voulait y pêcher hier. Malheureusement, on a perdu trop de temps à rechercher le téléphone. Donc là, on est reparti. Et elle a l'air jolie. Ouais. Ouais, espérons qu'on touche des beaux poissons. On verra. Let's go. Regardez-moi ça. Wouh. L'eau, elle est montée, gros. L'eau, elle est montée, ouais. Elle est montée de ça aussi. Tu rigoles? Ouais, elle est montée de l'eau. L'eau est mieux.
Oui, on avait les pieds dans les cailloux hier. Je me dis, mais hey, mec, on voyait la terre noire sur les côtés. Ouais. Je viens de réaliser, regarde, l'eau, elle est dans la pelouse. Ouais. Ça a complètement changé. L'eau, elle est mieux, en fait. L'eau, elle est montée de fou, mec. Ouais, elle est montée de... Mais mec, peut-être pas un mètre, mais... En fait, non, elle est bien, là. Elle est montée de 5... C'est pour ça qu'on voit plus le courant. Eh oui. Parce que c'est toute une zone complète de courant. Ouais, il y avait un petit herbier là-bas. Je m'accroche moins là, justement. Il y avait un petit herbier aussi là-bas et il est plus, on le voit plus l'herbier. Ah, il fait plus frais ce matin. Ah ouais, il fait beaucoup plus frais. C'est le vent qui est froid en fait. C'est un vent du nord, je pense. Comment je me sens ? Ça ressemble bien, hein ? Comme vent du nord. Ah. Ah, poisson. Voilà. Juste après avoir tapé une pierre. Quoi ? J'ai tapé dans une pierre et puis après j'ai eu un mou. Je me suis fait coffrer. Touche. Non, j'ai d'abord tapé un caillou et sur la remontée du caillou, il m'a pris. Merde, j'ai mouillé ma chaussure. J'ouvre le bal dans cette rivière à non-truite, à brochet. Wouh ! Premier brochet, les gars. Il y a déjà un beau bazar ici. Pour le premier, il fait bien plaise. Allez, je remets ça dans l'eau. Moi j'ai pris ce premier brochet sur un petit, comme hier, un Osage Valley. Chat dans 14 cm. Ça pêche super bien. Bon là il commence à être défoncé parce qu'il a pris déjà pas mal de brochets. Je pense qu'il a son 5e, quelque chose comme ça. Ça pêche super bien. Je pêche avec les montages Pycraft sans plomber. Donc ici, voilà, c'est le montage Pycraft. Il y a une tête à visser. Il y a des suivelles avec un hameçon, donc c'est les montages médium pour équiper des leurres comme ça, de petite taille. Et juste le montage est assez lourd que pour le faire pêcher dans des zones shallow. Donc ça permet de pêcher jusqu'à grand maximum 1 mètre de fond. Et si on veut pêcher plus profond, alors après on rajoute ici une tête plombée qu'on peut choisir, hein. Ça va de 5 à 40 grammes. Dans les montages Pycraft, un super système pour équiper ses leurres à brochet. J'ai pris une tape là-bas. J'ai pris une tape là-bas, là. Ah, regarde. Là-bas, là. Ah non ! Tout au bout, là. À peu près là. Tiens ! Oh, il est revenu, putain ! Il est revenu ? Oh, poisson ! Petite taille. Brochet numéro 2, un petit poisson ici. Pas très grand, mais ah, il fait plaisir quand même. Deuxième poisson, deuxième brochet. Yes. Et Lou vient d'avoir une... Il s'est fait taper son leurre quelques fois.
Je vais remettre ça à l'eau tout de suite. Allez, reparti. Wouh. Deuxième poisson. Yes. Il y a un chemin scabreux ici. Un peu beaucoup. Mais bon, les fainéants ont réussi à aller avec la voiture jusqu'au bout. Il faut faire gaffe parce que derrière, on remonte pas si on tombe. Voilà. Vas-y. Voilà, c'est bon. Tu crois qu'on doit mettre des plombs aussi? C'est 10 grammes. Et basta luego. Il y a peut-être beaucoup de courant comme on voit là, mais... Alors là, changement d'ambiance, on est sur le cœur même de la rivière, là ça... Ça déchaîne, donc voilà, ici, on nous a dit que ici c'était bon, et que ici c'est une zone à gros poissons, donc... C'est assez chaleureux. On va voir, mais on pourrait avoir une belle, belle surprise de faire un gros poisson ici, espérons-le. Ouais, il y a du bouillon ici. Et il y a du fond ou pas? Je vois pas trop, moi, là. Mais après, là, ça tombe, tu vois. Mais il y a quelques rochers qui remontent au-dessus de la surface. Ok. Je vais caster dans le courant. Poisson! Ah, décroché! Dans le courant, mec! Ah, je suis déçu de ne pas l'avoir bien piqué, celui-là. T'as dans le courant, c'est hallucinant, quand même. Tu crois qu'ils sont dans les remous à côté du courant? Non. Ils sont dans le courant. C'est hallucinant. Et en chasse, parce que mon leurre est à peine tombé dans l'eau, qu'il m'a tapé dedans, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'ils sont pas dans la zone de repos, quoi. Ils sont dans le courant, en chasse, quoi. Ah bah, je suis tanké, bordel de merde. Eh bien, voilà. Voilà. T'avais pas de gros poissons sur la zone en pleine rivière, mais c'était super beau. Mais tu sens le potentiel. Ouais, il y a beaucoup d'eau. Et sur la remontée, là, sur la pointe, finalement, moi, j'ai pris quand même une cartouche. Bah, tu sens que ça n'a rien à voir avec là-bas, les poissons. Ouais. Là, je pense qu'on prend pas beaucoup de touches, mais si on en prend une avec l'âne, c'est sûr, c'est du gros. Là, ouais, là il doit les avoir petits du... tiennent pas. Il y a du... C'est clairement une zone à gros poissons. Ouais. Celui que j'ai piqué, il avait pas l'air moche. Mais c'est un peu dur de dire parce que dans le courant... Puis c'est toujours cela qu'on loupe. Les pieds, on les a. Ouais, c'est ça. Bon, on ne saura jamais si c'était un beau poisson ou pas, mais en tout cas, c'était super beau et super plaisant de venir ici. La cascade. Je voulais te faire découvrir ça. Cette rivière, le gros courant. Ouais. Vraiment un spot à salmonidés. Ah ouais, c'est. Où en fait, enfin, je sais pas s'il y a des salmonidés ici, mais. Il y en a. Il y a des très grosses truites, ici. Ah ouais, ouais. Ah, bah, il y a des très grosses truites. Parfois, les brocs étaient bien présents. Il s'en fait au leurre, parfois. Ah ouais? Ouais, ça arrive. Okay. C'est rare, mais ça arrive, ouais. Ah bon, mais c'était cool. On a tout pêché avec des leurres Osage Valley aujourd'hui et des montages Pycraft. C'était belle nage, ouais. Ouais, c'était super de pouvoir. Parce que comme il y a des grosses différences de profondeur ici, bah, ces montages étaient parfaits pour pouvoir changer et adapter la plombée. D'ailleurs, je suis passé sur les spots qu'on vient de pêcher, je suis passé de montage sans plombée à du 5 grammes et j'ai fini en 15 grammes. Donc, C'est vraiment très pratique. Des chouettes montages très pratiques. Ouais. Je ne connaissais pas, moi, tu vois, ce montage-là. Ce montage-là. Et puis en dessous, c'est des hameçons BKK, donc des hameçons de qualité qui ne bougent pas et qui piquent très bien. Malgré que j'ai quand même décroché un poisson, ça reste des ouais, parce que quand je vois le nombre de petites accroches qu'on fait dans les cailloux tout le temps, et les hameçons piquent tout le temps. Ils restent piquants, ouais. Non, donc, c'est des très bons hameçons. Bons hameçons, ouais. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on a pu vous faire découvrir des beaux paysages ici en Laponie, nous en Laponie suédoise, on est dans le nord de la Suède, au camp Lapin de Pronature. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui se trouvent sur la chaîne parce qu'il y en a d'autres, des vidéos comme ça avec des beaux paysages ici en Suède. Et nous, on vous dit tout simplement à la prochaine. Ciao. Salut.